Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Voici les titres que nous allons développer dans cette émission. L'Afrique cherche à faire entendre sa voix dans la résolution de la crise libyenne. La Libye, point de convergence de multiples facteurs avec deux camps qui s'affrontent et où se greffent d'autres acteurs, à commencer par les puissances extérieures. La Libye au cœur des luttes d'influence entre les puissances occidentales. Comment le continent africain peut-il peser dans le règlement du conflit? Je poserai la question à mes invités. Le lancement opérationnel de la ZLECAF, l'un des sujets abordés au 33e sommet de l'Union africaine. Lancement opérationnel prévu en juillet 2020 pour cette ZLECAF, au cœur de la stratégie de l'Union africaine visant à apporter le commerce intra-africain de 18% actuellement à plus de 50% à l'horizon 2022. Et en troisième partie d'émission, gros plan sur l'agriculture au Burkina Faso, secteur qui demeure un pilier de l'économie. La Banque africaine de développement s'engage en faveur de son développement. Et à cette table pour le décryptage de cette actualité, Thiam Belgin Bayara, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste et directeur de publication de La Voix du Mali. À mes côtés également, Egbako Tossé Alexandre, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, vous êtes sociologue et anthropologue et vous avez écrit « Anthropologie politique de la coopération entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ». Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi et qui vous remercie. Sur ce plateau, également Jean-François Akandikombe, bonsoir. Bonsoir, Zor. Bonsoir Jean-François Akandikombe, éditorialiste d'Africa 24. Merci à tous les trois. Tout de suite, place au débat. Le règlement de la crise libyenne doit se faire avec les Africains. C'est le message délivré au 33e sommet de l'Union africaine. L'Afrique souhaite donc s'associer davantage à la relance du processus de paix, surtout depuis la reprise fin janvier par des combats par le maréchal Khalifa Haftar qui cherche depuis avril 2019 à prendre le contrôle de la capitale Tripoli. Alors dans un entretien, pardonnez-moi, exclusif accordé à Africa 24, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, également président, vous le savez, du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, est revenu sur la nécessité pour l'Afrique de s'impliquer dans la résolution du conflit en Libye. Je vous propose d'écouter le président congolais. Le point important, c'est le fait de reconnaître que la Libye est un pays africain, que la crise libyenne est une crise africaine et que l'Afrique, à travers l'Union africaine, ne peut pas être marginalisée. Et dans le cadre de la recherche de solutions, un problème libyen qui est un problème africain. Et nous pensons que cette idée a été accepté par la communauté internationale, c'est-à-dire ramener l'Afrique au centre du problème libyen. Alors l'Afrique tenue à l'écart depuis des années, on l'a vu dernièrement pour la conférence de Moscou, mais aussi à Berlin où l'Afrique n'était quasiment pas représentée, Thiam Belgin Bayara. Alors les pays européens, on le sait, notamment la France, la Grande-Bretagne, mais aussi ailleurs, les États-Unis sont à l'origine de l'offensive militaire de 2011. Mais ces pays-là occupent encore une place extrêmement importante dans le dossier libyen. Alors quand même, au regard des liens qui unissent l'Union européenne et ces pays-là, des liens surtout financiers, puisque ces pays contribuent à financer l'organisation, est-ce que l'Union africaine ne risque pas de ne pas pouvoir traiter l'un des sujets principaux qui concerne le dossier libyen, à savoir la lutte d'influence entre
grande puissance sur le sol libyen. Oui, on partait du postulat que ceux qui sont à l'origine de cette crise-là sont à même bien placés pour venir réparer le tort qu'ils ont commis, avec l'implication de ces puissances que vous venez de citer, la France et l'ONU, bien sûr, l'OTAN. Mais l'Afrique, comment le dossier libyen a échappé au continent africain? C'est qu'à l'origine de cette crise-là, on s'en est pas saisi de ce dossier, on ne s'est pas intéressé au dossier, on a laissé ceux qui ont causé ce tort-là prendre la main dans leur règlement. Et ça, c'est le côté qui était décevant et désolant. Mais au dernier sommet, on avait également cru à une solution arabo-arabe, sans impliquer les autres États africains, sans impliquer l'Union africaine. Il ne s'est pas saisi du dossier. Maintenant, ce mandat aussi est terminé. On est passé sous la coupe, mais la situation s'aggrave. Au fur et à mesure, ça s'aggrave. Donc, il faut à un moment donné signaler, siffler la fin de la récréation, que l'Afrique s'approprie ce dossier, parce que nous vivons les conséquences au Sahel et ailleurs sur le continent. Donc, l'Union africaine, avec désormais à sa tête le président sud-africain Cyril Ramaphosa, Jean-François Kandikombe, est-ce que l'Afrique peut, sous cette présidence, pouvoir finalement prendre le lead sur ce dossier? Et que peut véritablement apporter le continent dans la résolution du conflit? Mais on espère que l'Afrique va prendre le lead. En tout cas, va exprimer la volonté de pouvoir être leader sur le dossier libyen, parce que ce ne sont pas les initiatives africaines qui manquent. Cela fait longtemps, depuis à peu près 2016, que nous avons des déclarations, mais il ne s'agit que de déclarations. Le président congolais Denis Sassou Nguesso est président de cette instance de médiation de l'Union africaine qui est chargée du conflit libyen depuis 3 ans ou 4 ans, si mes souvenirs sont bons. Il a pris des initiatives qui étaient intéressantes, mais en Afrique, dans le cadre de l'Union africaine, malheureusement, il n'y a pas derrière lui la machinerie de l'Union africaine. Les autres chefs de l'État ne sont pas là, par exemple, pour convoquer un congrès africain, une conférence africaine sur la résolution de la crise libyenne. On revendique que l'Afrique puisse être présente à Moscou, à Paris, à Berlin, mais pourquoi les Africains ne demanderaient pas à ce qu'il y ait une conférence en Afrique? Et c'est cette volonté politique-là qui manque. Vous me dites, mais l'Afrique pourrait apporter quoi? Il y a un élément dans la médiation congolaise, la médiation de l'Union africaine, qui est intéressant. Vous avez entendu sans doute que le président congolais, il y a un an à peu près, avait tenté quelque chose, avait reçu à Oyo les chefs des tribus libyennes. Oui. Les chefs des tribus libyennes. Il y a là une piste que l'on néglige toujours. On parle des grandes puissances, on parle de l'ONU, on parle de tout, sauf que la Libye, structurellement, sociologiquement, anthropologiquement, la Libye, c'est un ensemble de tribus. Il y a 2368 tribus en Libye, y compris au temps de la colonisation. Le colon avait dû s'en accommoder, avait dû les organiser pour pouvoir implanter son pouvoir. On ne le dit pas assez, le colonel Kadhafi avait réussi ce tour de force magistral d'arriver à coaliser cet ensemble qui est très 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 disparate, beaucoup plus disparate que dans les pays sud-sahariens que nous connaissons. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pistes africaines, mais ces pistes-là ont besoin d'être solidement saisies. Les États africains ont besoin d'être solidaires derrière celui d'entre eux qu'ils ont désigné comme médiateur dans le cadre de cette crise. Et ils ont besoin aussi, les États africains n'ont pas à rester seulement sur le continent. Lorsque vous disiez tout à l'heure, au Conseil de sécurité, la résolution a été adoptée. Il y avait des États africains qui étaient membres du Conseil de sécurité qui ont voté la résolution. Donc il y a vraiment une machinerie africaine qui doit s'affirmer aujourd'hui dans le cadre de ce conflit-là. Egbeko Tosé Alexandre, mais est-ce que le continent est véritablement en mesure de pouvoir s'imposer? Ce qui implique quand même que les États africains puissent sortir un petit peu des logiques de lutte d'influence imposées par les grandes puissances qui les soutiennent financièrement. Exactement, c'est là où il y a le gros problème. Est-ce que l'Afrique est en mesure, est-ce que l'Afrique a les capacités aujourd'hui d'aller sur cette... Et pourquoi maintenant ce serait possible? Pourquoi avant ça n'a pas été possible? Aujourd'hui, la crise libyenne, elle est très profonde. Vous savez, même les derniers rebondissements, je peux même remonter au début pour dire que depuis
l'appel de Benghazi, de ce fameux philosophe en déroute un peu sur les côtes libyennes, la Libye n'a plus jamais retrouvé une certaine stabilité. Alors que, comme l'a souligné votre Jean-François, c'est-à-dire c'est un ensemble de tribus qui était quand même bien géré par Kadhafi. Aujourd'hui, la Libye de Kadhafi a disparu et nous avons la Libye de la communauté internationale dirigée par deux fractions, le gouvernement de Tripoli dirigé par Fayed el-Sarraj et puis les forces de Khalifa Haftar, l'homme de l'Est comme ils ont l'habitude de le dire. Et donc, même ces derniers temps, il y a une crise diplomatique qui s'est invitée dans cette crise avec l'annonce de la Turquie qui a décidé d'envoyer des hommes au sol. Et même, il y a eu un mémorandum qui a été signé entre le gouvernement de Tripoli et la Turquie. Évidemment, ça n'a pas plu à l'autre partie qui a accéléré les événements ces derniers temps. Ce qui a abouti quelques jours plus tard au cessez-le-feu qui n'a pas été respecté. Et même aujourd'hui, c'est Misrata qui est véritablement menacé, sans compter que Misrata et puis Zawiya, un truc comme ça, qui avaient essuyé des bombardements aériens des troupes de Haftar. Donc, je me dis, est-ce que l'Afrique a les capacités aujourd'hui ? Les idées, ça ne manque pas en Afrique. Ils ont les idées. Ils ont de belles idées. Mais après, le problème, c'est que tout de suite, ils vont se retourner encore vers ces Européens qui ont créé ce problème pour commencer à demander les moyens. Vous voyez, donc l'Afrique est toujours prête à sortir de belles idées, mais les moyens pour accompagner, ça n'a jamais été le cas. Donc, Tiambel Gimbayara. Non, le danger sur ce sujet est vraiment que cette crise libyenne qui a été causée par ces puissances, on a accusé, indexé, encore redemandé à ces puissances de venir à la solution. La Libye est en train de devenir un enjeu géostratégique. Cette intervention n'est pas que symbolique. Hein? L'intervention de la France, de l'ONU, de toutes ces puissances, de la Turquie, de la Russie demain. Si l'Afrique laisse passer cette chance, on est parti pour 15, 20, encore beaucoup d'années pour pouvoir rétablir la paix en Libye et avec ses conséquences dans les pays du Sahel. C'est ce qui est dommage et regrettable. Jean-François Kandukombe. Alors, je voudrais dire deux choses très brièvement. Les Nations Unies et la communauté internationale, c'est-à-dire occidentale, a échoué. Le modèle, qui était le modèle des accords de Skhirat de 2015, entre 2011 et 2015, c'était le chaos. On nous a amené sur un plateau un accord de paix, qui était le modèle de Skhirat, en vertu duquel M. Sarraj est là. Ce modèle a échoué. Il avait prévu qu'en 2018, on allait adopter une constitution. La constitution a été adoptée en 2017. Il devait y avoir des élections générales en 2018. Il faut lire ce qui est en train de se passer, notamment à travers ce prisme-là. On a promis que aux négociateurs qu'il y aurait des élections générales en 2018, Sarraj veut se maintenir à tout prix et les autres le soutiennent là-dedans, donc ça ne peut amener que le chaos. C'était la première observation. La deuxième observation, c'est qu'il nous faut faire attention en tant qu'Africains à des problématiques géostratégiques et la Libye est un phénomène qui me préoccupe beaucoup parce qu'il montre que les puissances extérieures à l'Afrique peuvent parfaitement s'accommoder du chaos comme mode d'échange avec nous, comme mode de gouvernance avec nous, parce que la Libye reste toujours exportateur net dans des conditions qui sont bénéficiaires aux États. La Libye est un territoire où on quadrille, où on contrôle encore mieux les migrations vers l'Europe parce qu'il n'y a pas de pouvoir central. Et puis on s'en fout de tout ce qui se passe. En tous les cas, c'est une zone économiquement exploitable et exploité internationalement. Et ça, c'est une problématique qui m'inquiète beaucoup. Parce qu'on finit par se demander si on ne fait pas exprès d'installer le chaos pour exploiter. Bah bien sûr, parce que, excusez-moi de répondre, parce que la Libye reste aujourd'hui la plus abondante réserve sur le continent. Et aussi le Soudan. Donc, ce n'est pas pour rien que ces puissances extérieures s'engagent dans ce combat, même s'ils ne sont pas invités. Et ça pose véritablement un problème de droit international aujourd'hui. Et ces droits, en fait, généralement, ce sont ces puissances qui essayent de... ce sont les instigatrices de ces lois. Mais quand ça ne les arrange pas, ils sont prêts à survoler et faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont des objectifs à atteindre.
Et ils convoitent les ressources de ces pays en créant le chaos. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de dire, voilà, qui a créé du désordre n'a qu'à les ramener l'autre, comme l'a dit le président Déby. Justement, c'est sur ce point-là que je voulais faire une observation très brève. Les États occidentaux sont intervenus, je pense qu'il faut distinguer, nous en tant qu'Africains, nous devons faire une distinction entre deux choses. Ils sont intervenus, ils doivent assumer la responsabilité des préjudices, des dégâts qui ont été commis à cette occasion-là. Cette responsabilité-là ne suppose pas qu'ils soient à la table de négociation pour dicter la solution. Elle suppose qu'ils puissent payer le prix nécessaire pour la reconstruction du pays et pour que les mécanismes puissent être menés jusqu'à ce qu'on puisse arriver à la paix. Qu'ils payent, pas nécessairement, et qu'ils laissent les Africains chercher les solutions. Donc le financement en soi, si on ne tend pas la main, je pense que, et là c'est le droit international, il faudrait mettre en place des mécanismes qui fassent qu'il y ait une responsabilité collective des États, y compris lorsqu'ils interviennent sous le mandat du Conseil de sécurité et qu'ils dépassent ce mandat-là, qu'ils puissent payer. Mais pour ça, il faudrait que les États africains se lèvent. Cette voie qui est indiquée par l'actuel président en exercice, le Sud-Africain, qui a décidé de convier une conférence là-dessus. Si jamais cette logique tenait, avec le groupe d'experts dirigé par le président congolais, une réflexion produite, l'Afrique pourra peut-être compter d'abord en reprenant la main, en dictant sa loi, mais pour cela, il faut être organisé, plus qu'organisé, et soutenu. Alors, on parle souvent de la Libye, bien évidemment, mais il y a d'autres conflits dans lesquels le continent africain est souvent accusé de ne pas s'impliquer dans la résolution de ces conflits-là. Donc, est-ce que ce positionnement qui consiste à dire qu'on a été évincé n'est pas... en tout cas, est-ce que l'Afrique ne l'a pas bien cherché non plus ? Mais l'Afrique ne se donne pas les moyens. Vous vous souvenez sans doute de la présidence du président Kagame de l'Union africaine. Il avait eu un certain nombre de projets, notamment d'autonomisation de l'organisation, organisation administrative, mais surtout autonomie financière de l'organisation, parce que c'est là que le bât blesse. Parce qu'il y a un certain nombre d'idées intéressantes qui sont produites aux Nations Unies, et notamment par le Conseil de paix et sécurité. Le Conseil de paix et sécurité qui lance l'idée d'une médiation africaine, l'idée d'une sécurité collective africaine, c'est-à-dire de la mobilisation des troupes des différents pays pour aller résoudre des conflits quelque part. Mais tout ça, ça coûte de l'argent. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et les États africains ne sont pas prêts. Déjà, il y a des difficultés pour que certains États payent leurs cotisations simplement. Et pour le financement de ces opérations, c'est autre chose. Et c'est pas l'argent. Or, c'est pas l'argent qui manque en Afrique. Ah oui, c'est pas l'argent qui manque. C'est le cas, par exemple, du G5 Sahel, le Tchad qui s'est engagé volontairement dans plusieurs conflits. À la fin, un peu... exprime sa déception parce qu'ils font des réunions, mais après, c'est les moyens qui ne vont pas avec. Donc, on revient toujours au même problème. Les idées, il y en a. Les belles initiatives, il y en a, mais après, ce sont les moyens. C'est les moyens qui posent des problèmes. Et il faut rajouter, les moyens sur le continent, ça ne manque pas. C'est plus une question de le moyen de la volonté politique. Voilà, la volonté politique. En tous les cas, le secrétaire général de l'ONU se dit favorable à cette volonté de l'Afrique de s'impliquer dans la résolution de la crise libyenne. Nous, on va marquer une très courte pause. On se retrouve dans quelques instants et on parlera d'un autre dossier évoqué lors de ce 33e sommet de l'Union africaine, qui est la ZLECAF, cette zone de libre-échange continentale. On en parle dans quelques instants après la pause. À tout de suite.